Quand vous créez une franchise multimilliardaire en quelques mois à partir d'un modeste tas de données d'à peine un mégaoctet, ne pas donner à ces jeux une suite aussi rapidement que possible ne serait pas seulement mal avisé, ce serait une insulte à l'esprit du capitalisme. Ainsi, c'est tout à fait logiquement que 3 ans après la sortie et le succès planétaire des versions rouge et bleu, Game Freak a rempilé avec une deuxième génération de jeux Pokémon, les versions or et argent, suivies quelques mois plus tard de la version cristal. C'est donc une ambition commerciale qui a motivé l'existence de ces suites, en particulier pour remettre un coup de fouet à toute la machine marketing des cartes, de l'animé, des films, des peluches, etc., en leur donnant de nouveaux Pokémon, de nouveaux lieux et de nouveaux personnages à exploiter. Et vous aurez remarqué qu'un gimmick récurrent de Esquive la boule de feu est mon dédain pour les initiatives commerciales. Pourtant, non seulement ces jeux ont été extrêmement bien reçus par la critique de l'époque, mais en plus de ça, quand on sonde la communauté de joueurs quant à leur génération préférée, celle-ci figure assez systématiquement en première ou deuxième position. Et une telle longévité dans le cœur des fans montre bien que ces jeux ne peuvent pas être que des cash grabs, qu'ils doivent avoir de réelles qualités, que nous sommes là pour évaluer, comme d'habitude, bien trop en détail. La deuxième génération de la série Pokémon se compose donc de 3 jeux. Les versions Or et Argent, sorties sur Game Boy Color en 99 au Japon et début 2001 en France, qui étaient alors rétro-compatibles avec la Game Boy tout court, si vous supportiez d'y jouer sans la couleur, et la version Crystal, sortie en 2000 au Japon et fin 2001 en France, qui elle était exclusive à la Game Boy Color for some reason. Comme pour les versions rouge, bleu et jaune de la première génération, il n'y a que des différences symboliques entre Or et Argent, et des ajouts mineurs pour Crystal, qui en font quand même la version définitive de cette deuxième génération vers laquelle il est conseillé de se tourner pour la découvrir, et sur laquelle on va donc se baser pour cette vidéo. Pour jouer à Crystal aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça devrait l'être. Les cartouches Game Boy d'origine ont presque toutes perdu la capacité de sauvegarder la partie pour des raisons techniques sur lesquelles on reviendra, et sont de toute façon assez dures à trouver, donc vos deux options réalistes sont la réédition du jeu sur la console virtuelle de la 3DS en 2018, et l'émulation non officielle, qui ont toutes les deux leurs propres avantages. Le portage 3DS permet de faire des échanges avec d'autres versions, et même vers les générations récentes, ce qui préserve la composante sociale fondamentale de Pokémon, et fournit également un moyen officiel et inespéré de se procurer le Pokémon légendaire Celebi par le biais d'un événement qui sur Game Boy était exclusif aux versions japonaises. D'un autre côté, émuler le jeu permet de profiter de fonctionnalités comme le Turbo, dont j'ai personnellement du mal à me passer maintenant que j'y ai goûté, qui accélère sensiblement tous ces combats sans enjeu contre des dresseurs avec des niveaux de retard sur vous. Il existe également des remakes de Or et Argent sur DS qui profitent de toutes les avancées des 3ème et 4ème générations, en particulier visuelles bien sûr. Tout le monde vous dira que c'est plutôt à ces remakes qu'il faut jouer si vous devez choisir, et que vous pouvez vous le permettre financièrement, et c'est tout à fait vrai. Mais oubliez-les temporairement parce que ce n'est pas de ça qu'on va parler ici. Si vous avez vu le brouillon monter avec le cul qui était ma vidéo sur la première génération, vous vous demandez peut-être si j'ai un rapport aussi nostalgique à celle qui nous intéresse aujourd'hui, et la réponse est oui. Parce que j'y ai joué quasiment en même temps. Cependant, si je trouve mesquin d'adresser des critiques aux versions rouge et bleu en vertu des incroyables bijoux d'inventivité et de réalisation technique qu'elles constituent par ailleurs, c'est une autre paire de chaussures de sport pour leur suite, parce que l'enjeu était ici simplement d'itérer intelligemment sur les bases de game design déjà posées, et c'est quelque chose de beaucoup plus simple à évaluer. Et à mon sens, la deuxième génération fait par rapport à ces bases plein de pas en avant, pour lesquels elle est reconnue, mais aussi pas mal de pas en arrière, qui eux sont moins largement identifiés et qu'on va se faire un plaisir de mettre en évidence. Aujourd'hui donc, pas de mélodrame ni de musique des New Morricone qui font monétiser d'office la vidéo, on va plonger les bras dans le cambouis et décortiquer méticuleusement le game design de Pokémon Crystal. Commençons par quelques considérations techniques. Bien que ce soit moins évident que pour les générations suivantes, Or, Argent et Crystal constituent un saut esthétique par rapport à Rouge et Bleu, puisqu'ils sont développés pour la Game Boy Color. Pourtant, la seule évolution technologique de cette console par rapport à la Game Boy tout court est la prise en charge de la couleur. Toutes ses autres caractéristiques, processeur, pistes sonores, résolution, RAM, restent identiques ou comparables. Ajoutons à ça que les données de Crystal sont encore une fois bourrées dans environ un misérable mégaoctet de mémoire, et c'est difficile de voir où peut se situer le saut technologique en question. Et pourtant, probablement grâce à leur expérience sur les jeux précédents, les développeurs chez Game Freak sont parvenus à rendre cette deuxième génération remarquablement plus attrayante visuellement que la précédente. Et c'est grâce à la couleur.
L'interface est plus travaillée et des menus comme les écrans de statut des Pokémon et le Pokédex ne sont plus simplement des écritures sur fond blanc. Les différences de palette permettent de donner à chaque ville plus d'identité, entre les toits violets de Mauville et les pavés jaunes de Doublonville. Mais surtout, les sprites des dresseurs et des Pokémon sont à la fois plus riches visuellement, plus travaillés et détaillés, et plus proches de leur artwork officiel. On n'a plus rien d'aussi moche que ça dans la deuxième génération. Ce que je trouve assez incroyable, c'est la créativité avec laquelle est contournée une limitation assez cornélienne imposée aux sprites sur Game Boy Color. Celle de ne pas utiliser plus de 3 couleurs, en plus de la couleur transparent qui, sur fond blanc, donne du blanc. Il faut compter les couleurs pour le croire, et je vous encourage à faire pause pour le vérifier vous-même, mais aucun de ces sprites n'utilise plus de 4 couleurs, y compris le blanc du background et le noir utilisé pour les contours, alors qu'ils se permettent pourtant de figurer des reliefs et des ombrages. L'incidence de la lumière est très habilement gérée par l'usage du blanc comme éclaircissement, et le résultat est complètement bluffant. C'est aussi rendu possible par le fait que les Pokémon des deux premières générations étaient designés avec cette contrainte en tête, et utilisaient rarement plus de 2 couleurs, même dans le cas de Ho-Oh qui est pourtant décrit comme ayant un plumage arc-en-ciel. Dans Crystal, tous ces sprites ont droit à quelques frames d'animation au début de chaque combat, qui contribuent à leur donner de la personnalité, qui ont dû demander beaucoup trop de travail pour ce qu'ils apportent concrètement au jeu, et qui constituent la cerise de luxe sur le gâteau. Ajoutons à ça les poses plutôt inspirées et la taille donnée aux sprites des Pokémon rares ou évolués, qui les rend particulièrement imposants, et vous comprendrez, je l'espère, que cette collection de sprites soit ma préférée toute génération confondue, même par rapport à ceux plus détaillés mais réalisés avec moins de contraintes des épisodes GBA. À côté de ça, il y a la bande-son, encore plus glorieuse que celle de Rouge et Bleu, d'une centaine de pistes, c'est-à-dire que quasiment chaque lieu a sa propre musique. Junichi Masuda revient pour donner à cette bande-son une cohérence avec les sonorités de la première génération en s'occupant des thèmes des routes, toujours aussi évocateur d'aventure. Et des thèmes de combat qui sont parmi les meilleurs de la série. Il est rejoint notamment par Go Ichinose, dont ce ne sera pas la dernière contribution à l'héritage musical de Pokémon, et qui signe ici des thèmes de ville plus sophistiqués et matures que ceux de Rouge et Bleu pour aller avec l'ambiance de la nouvelle région. Car oui, qui dit nouvelle génération dit introduction d'une nouvelle région à arpenter pour collecter ses 8 badges. Et ici, il s'agit de la région de Johto, située directement à l'ouest de la région des jeux précédents à laquelle il est rétroactivement donné le nom de Kanto, qui est également présente dans Crystal, mais on en parlera plus en détail plus loin. Ce nom, Kanto, fait référence à celui de la région qui entoure Tokyo sur l'archipel japonais, et de là, il n'est pas difficile de déduire que Johto est inspiré du Kansai. Cette région, qui inclut les villes de Kobe, d'Osaka et l'ancienne capitale Kyoto, est le cœur culturel et historique du Japon. Tandis que le Kanto est représentatif d'une certaine standardisation des modes de vie et d'une ouverture à la mondialisation, le Kansai est apparemment resté plus proche de ses racines culturelles. Ceci est reflété dans l'esthétique, l'écriture et l'ambiance des deux régions du jeu. Tandis que Kanto est plus urbanisé, plus aménagé, avec notamment une grande piste cyclable, et constitue une version utopiste de la campagne périurbaine japonaise, à Johto, on vit en harmonie avec la nature. La plupart des villes sont boisées, à Ecorcia, les Ramolos se baladent en liberté, Olivine et Irisia donnent directement sur la mer, et Akajou semble nicher dans un creux entre plusieurs montagnes. Les villes les plus développées de Johto sont aussi celles qui sont directement reliées à Kanto, à savoir Doublonville reliée à Safrania par le train express, et Olivine reliée à Carmin-sur-Mer par bateau. Il en va de même pour le rapport à l'histoire. Si rien à Kanto ne semble évoquer le passé, à Johto plusieurs villes ont l'histoire et les traditions comme élément central. À Mauville, il y a une tour chétiflore qui est un lieu spirituel inspiré des pagodes bouddhistes, et une femme au rez-de-chaussée nous raconte que le pilier central de la tour est censé, d'après la légende, être un chétiflore centenaire. Rosalia est la capitale historique de la région avec ses 2 tours dont une incendiée, qui sont au centre des mythes locaux. Et Ebenel est la demeure du clan des dresseurs de dragons qui semble tenir un rôle de gardien de l'équilibre dans cette fiction, des espèces de Jedi avec des dracolos au lieu de sabres laser. Et du coup, si comme on l'a dit la dernière fois, Kanto était le terrain de jeu d'une ribambelle de gamins désœuvrés qui vont zoner dans la banlieue après avoir fini les cours à 14h,
un monde dont les adultes étaient quasiment exclus, l'ambiance est très différente à Johto. On a plus conscience de faire partie d'un tout et du respect qu'on doit à ses environnements et à ses habitants. Les adultes, et notamment les personnes âgées, y sont bien plus présents, et pour la première fois dans la série, le joueur lui-même a pour tâche de préserver l'harmonie de cet environnement, en empêchant la Team Rocket de se faire du fric en mutilant des Ramolos, ou de faire évoluer de force tous les Magikarp du lac Colère par le biais d'ondes radio. La violence verbale qui me plaisait tant dans la première génération est toujours là, dès les premières minutes avec le fameux « qu'est-ce tu mates ?» du rival. Mais il est maintenant réservé aux racailles qui font tâche vis-à-vis de l'ambiance apaisée du reste de la région. Si je voulais suranalyser, je pourrais même aller jusqu'à dire que cette évolution est peut-être censée accompagner celle de l'enfant auto-centré qui avait joué à Bleu et Rouge quelques années auparavant, et dont on peut espérer qu'il s'est depuis davantage ouvert au monde. Et si je voulais en rajouter dans la suranalyse, je pourrais même dire que le fait de vaincre à la toute fin du jeu le protagoniste que vous avez incarné dans les versions précédentes symbolise, si ça se trouve, la victoire de ce nouveau rapport au monde. Mais bien sûr, on est seulement là pour vendre des cartes et des peluches. Il n'est pas difficile de constater que cette deuxième génération est très pauvre en scénario. En dehors du voyage du héros basique de votre personnage, la chose qui ressemble le plus à une péripétie dans ce jeu est la tentative assez molle de comeback de la Team Rocket, qui se fait cancel aussi vite et facilement que Manuel Valls quand il tente la même manœuvre. Je n'ai pas pris conscience que cela allait faire de moi le traître. Il est même impossible de nommer un antagoniste précis dans cette histoire puisqu'il n'y en a pas. Les meneurs de la Team Rocket sont juste des caïds anonymes. En revanche, Johto a une mythologie, qui va intervenir concrètement dans le jeu par le biais des Pokémon légendaires. Les deux tours de Rosalia étaient dans l'ancien temps le perchoir de deux Pokémon volants antiques, Ho-Ho, qui porte explicitement le nom du phénix japonais, et Lugia, qui est probablement inspiré du dragon Ryuji, qui est la divinité tutélaire des fonds marins dans la religion Shinto. Même s'il n'est étonnamment pas de type Ho. Le fait qu'ils figurent sur la boîte des jeux à la place des starters comme dans la génération précédente prouve bien leur importance thématique. Et il est possible d'aller les rencontrer, les affronter et les capturer en fin de jeu après avoir rempli quelques conditions. Ho-Ho se trouve en haut de la tour qui lui est dédiée à Rosalia, mais celle de Lugia étant détruite, c'est au fin fond d'un groupe d'îles protégées par des tourbillons qu'on pourra le trouver. L'incendie de sa tour est d'ailleurs lié à une autre légende qui va nous concerner, celle de la mort de trois Pokémon canins dans l'incident, qui furent ensuite ressuscités par Ho-Ho sous la forme de Entei, Raikou et Suicune. On réveille ces trois Pokémon dans le cadre du scénario, et on pourra ensuite les rencontrer un peu n'importe où dans la région. Dans Crystal, Suicune est également intégré directement au scénario, et on le rencontre plusieurs fois jusqu'à pouvoir le défier et avoir une chance de le capturer. Pouvoir concrètement toucher du doigt et de la Pokéball ces éléments de lore nous donne un lien direct avec la région et son histoire, qui sinon pourrait ne pas nous concerner, et participe à faire de Johto un lieu immersif et attachant. Qui dit nouvelle génération dit également nouveaux Pokémon. 100 créatures sont ajoutées aux 151 des versions précédentes, qui sont encore présentes et même très présentes, pour un total de 251 Pokémon codés dans le jeu. Parmi les nouveaux venus, 20 d'entre eux sont directement liés à des Pokémon de première génération, dont ils sont soit une évolution, soit une forme finale alternative, soit une pré-évolution. Les autres sont de nouvelles familles d'évolution, y compris 3 nouveaux starters pour relancer les débats dans les cours de récré alors que tout le monde sait très bien que le meilleur est Bulbizarre et que c'est maintenant Kaiminus. Et là, tempête de commentaires, tempête de désabonnements. Le design de ces nouveaux Pokémon, réalisé comme pour tout le reste de la série par Ken Sugimori, n'a rien à envier à celui des 151 premiers, et personnellement j'irais même jusqu'à dire que la deuxième génération contient un bon nombre de mes designs préférés. Malheureusement, l'usage qui est fait de ces nouveaux Pokémon dans le jeu est, pour le moins, étrange. On pourrait s'attendre à ce que Game Freak essaye de les mettre en avant, puisque c'est eux la nouveauté excitante par rapport aux Pokémon qui étaient déjà présents dans des jeux qu'on a poncés. Et c'est le cas sur la première route, il y a les classiques Rattata et Rukul, mais aussi leurs équivalents de deuxième génération Fouinette et Hoot-Hoot, donc tout va bien. Mais très vite ça part en couille, et l'immense majorité des Pokémon que vous rencontrerez dans la nature seront des Pokémon de première génération. Les nouveaux sont en grande partie conservés pour des rencontres rares à 1 ou 5% de chance, pour des coins reculés du monde comme le dernier étage de telle ou telle grotte, ou simplement sont relégués à la région de Kanto à laquelle vous ne pouvez pas accéder avant d'avoir terminé le jeu. Sans utiliser un guide, il est peu probable que le joueur non averti arrive à rencontrer plus du tiers d'entre eux. Et ces Pokémon ne sont pas non plus correctement mis en avant par les combats de boss, c'est-à-dire les 8 champions et le conseil des 4. Mortimer est le champion de type Spectre, le type Spectre qui consistait auparavant en une seule famille d'évolution s'est vu renforcé avec l'addition de Feu Forêt, qui a l'air fait pour Mortimer. Eh ben non, il a un Fantominus, 2 Spectrum et un Ectoplasma. Le champion d'Irizia, de type combat, a un Colossinge et un Tartare, et ignore totalement l'existence de, je sais pas, Scarino, que la plupart des joueurs ne rencontreront donc pas une seule fois dans le jeu. Hector est bien gentil avec son insécateur qui constitue un vrai challenge en début de partie, mais à lui non plus c'était pas bien dur de donner un Scarino, ou un Coxyclac, ou un Yanma, ou un Karatroc, que des Pokémon insectes en grand besoin de représentation.
Tout ça ne peut pas être un hasard, et il faut en conclure qu'il y avait une vraie volonté de la part de Game Freak de considérer les 100 nouveaux Pokémon comme de l'assaisonnement, par rapport aux 150 premiers, qui restent l'attraction principale. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas confiance en la réception qu'auraient les nouveaux designs. Mais c'est une décision qui me semble rétrospectivement assez regrettable. Tout ce dont on vient de parler, l'évolution technique, la nouvelle région et les nouveaux Pokémon, c'est le minimum syndical qu'on attend d'une nouvelle génération de Pokémon. Ce qui est étonnant, si on veut encore considérer ces suites comme un pur projet commercial, c'est que Game Freak ne s'est pas arrêté à ces considérations superficielles, et a apporté des modifications et améliorations profondes au système de jeu sur lesquels on va maintenant se pencher. La première innovation qui vous est mise sous le nez dès l'instant où vous démarrez une nouvelle partie, c'est la découverte du genre féminin. Dans Crystal, vous pouvez pour la première fois choisir le genre de votre avatar au début de la partie. Non seulement c'est une option bonne à avoir dans n'importe quel RPG dont le protagoniste a autant de personnalité qu'un paquet de cornflakes, mais en plus, au vu de la remarquable parité du public de Pokémon, c'est quand même la moindre des choses. La deuxième innovation qui vous est immédiatement mise sous le nez, c'est l'inclusion d'une horloge interne à la cartouche, qui va permettre un cycle jour-nuit, et un cycle des jours de la semaine. C'est une formidable réussite technique, incroyablement ambitieuse pour un jeu Game Boy en 99, qui continue de compter le temps même quand le jeu n'est pas allumé pour que l'état du monde in-game suive celui de votre quotidien. Si vous arrêtez de jouer alors que c'est le soir, et que vous reprenez en journée le lendemain, dans le jeu il fera jour. L'inconvénient de ce procédé, c'est que la batterie qui alimente cette horloge est la même que celle qui préserve votre sauvegarde. Elle va donc s'épuiser encore plus vite, et c'est ainsi qu'autour de 2010, des millions de personnes se sont rendues compte avec horreur que leur partie avait été effacée, et que leur cartouche ne pouvait plus sauvegarder parce que cette batterie était morte. J'en fais partie ! L'intérêt du cycle jour-nuit est d'une part de renforcer l'immersion dans le monde en lui conférant des règles de fonctionnement qui le rapprochent d'une autre, et ensuite de complexifier la chasse aux Pokémon. De manière tout à fait logique, certains d'entre eux sont diurnes, et d'autres sont nocturnes, et vous ne rencontrerez donc pas la même faune en vous baladant de jour ou de nuit. Plus précisément, une journée de 24 heures est séparée en trois périodes. Le matin, qui va de 4h à 10h, et pour lequel je n'ai étonnamment pas de capture à vous montrer. La journée, qui va de 10h à 18h, et la plus longue, la nuit, qui va de 18h à 4h du matin. L'inclusion du matin est un peu discutable et en pratique rarement distincte de la journée, mais ça fait quand même au moins deux versions de la plupart des routes bien distinctes à la fois visuellement et mécaniquement. Et cet effort est plutôt bien maintenu tout au long du jeu. Globalement, le cycle jour-nuit est une mécanique plébiscitée par les joueurs, mais probablement à cause des difficultés techniques qui vont avec, elle sera laissée de côté pour la génération suivante, et ne s'installera définitivement qu'à partir des épisodes DS, une console qui comporte une horloge interne que le jeu peut se contenter de lire. Le cycle des semaines, lui, est un peu plus gadget, voire malvenu. Il est plutôt sous-utilisé et ne sert qu'à restreindre des événements à un certain jour de la semaine. Le plus notable, c'est qu'on peut rencontrer un Loclass unique le vendredi aux caves jumelles, ce qui d'ailleurs est parfaitement arbitraire, qu'est-ce qu'il en a à foutre le Loclass que ce soit vendredi. En dehors de ça, il y a le concours de capture d'insectes les mardis et samedis, et des PNJ qui ne sont présents pour vous donner un objet utile que certains jours de la semaine. Mais franchement, si ces considérations temporelles étaient retirées, je vois pas en quoi le jeu serait moins bien. C'est la première de ce que je vais appeler des mécaniques de jeu mobile, avec tout ce que ça a de péjoratif, parce que son objectif est de vous faire revenir dans le jeu quotidiennement par le biais d'une récompense concrète, et à mon grand déplaisir, la série ne s'en est jamais départie depuis non plus, ce qui signale une vraie volonté d'avoir ce type de mécanique de rétention de l'attention. Ensuite, et là aussi c'est quelque chose qui paraît évident a posteriori, les Pokémon se voient désormais associés à un sexe, mâle, femelle, ou ne peut pas avoir une tub de manière crédible. C'est une extension du concept de Nidoran mâle et Nidoran femelle de la génération précédente, qui du coup se retrouve bien obsolète. Certaines espèces sont exclusivement mâles, certaines sont exclusivement femelles, mais la plupart peuvent être les deux. Dans mon esprit d'amateur de Nanimo, ça ouvre immédiatement la voie à des possibilités de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des différences physiques entre individus mâles et femelles d'une même espèce. Des exemples que vous connaissez tous sont par exemple la crinière des lions, les bois des cerfs ou la couleur des canards. Malheureusement, c'est une feature qui ne sera introduite, et encore que timidement, qu'à partir de la quatrième génération. Pour le moment, le sexe d'un Pokémon a une importance mineure en combat, avec l'introduction de la capacité attraction qui fait exactement ce qu'on imagine qu'elle fait, mais surtout entre en jeu lorsqu'on veut faire se reproduire les Pokémon, ce qui est une autre nouvelle mécanique de jeu mobile de merde. La reproduction suit des règles assez chiantes et complexes, et pour éviter d'avoir à les lister, je vais plutôt illustrer ça par un exemple. Tom et Jerry sont deux miaous que je laisse à la pension de Doublonville, le Love Hotel où le processus de reproduction se déroule. En plus de leur technique habituelle, j'ai appris par CT puissance cachée à Tom et retour à Jerry. Après quelques temps, décompté non pas en secondes mais en pas parcourus dans le jeu, la présence du vieux monsieur dans l'enclos indique qu'il a trouvé un œuf, qu'il va me donner.
Mais cet œuf, encore faut-il le faire éclore. Et pour ça, le plus rapide, c'est de faire des allers-retours verticalement en vélo à Doublonville. Pensez à une durée raisonnable, doublez-la et vous y serez. D'après ma capture, il m'a fallu 3 minutes et demie d'aller-retour comme ça en turbo x4, donc un quart d'heure de temps réel, pour que l'œuf éclose. Il donne un petit bébé miaous niveau 5, qui connaît déjà la technique puissance cachée de son père, mais pas retour de sa mère. La règle est donc la suivante, la mère transmet son espèce, parce que miaous pouvait aussi bien se reproduire avec une autre espèce tant que sa biologie reste proche, genre Evoli ou Ratata, tandis que le père transmet des techniques. Dans certains cas, c'est le seul moyen d'avoir les attaques en question sur le Pokémon nouveau-né. Par exemple, le seul moyen d'avoir un Miaouss avec Hypnose, c'est qu'il ait pour père un Cerfrous qui connaît cette attaque. Comment les croisements les Ouais, croisements bizarres. Mais comment ils se reproduisent? En fait, la logique derrière ça, c'est les milieux de vie. En fait, tu peux se reproduire entre eux des Pokémon qui vivent dans le même milieu, en l'occurrence des prairies. Des biomes, quoi. Ouais, des biomes. Oh. Mais tu peux pas faire se reproduire un Miaouss avec un Poissirène. Moi, je trouve ça dégueulasse, ce que tu racontes. Miaouss. Je suis choquée. Cerfrous. Surtout que c'est le Cerfrous le mâle. Oh, écoute pas le jaja, écoute pas. Donc résumons, il s'agit là d'une mécanique au fonctionnement complexe, qui nécessite d'avoir un guide sous les yeux pour savoir ce qu'on fait, et qui prend 3 plombes avant de parvenir au résultat. Elle revêt un intérêt certain pour la scène compétitive, mais pas vraiment dans le cadre du reste du jeu. La plupart des joueurs se contentant de multicloner leur Evoli, ou éventuellement de viser les formes bébés de certains Pokémon qui ne s'obtiennent que comme ça. Contrairement au cycle des jours, c'est une mécanique qui enrichit clairement le jeu, mais la manière dont elle est implémentée est inutilement grindy, et mériterait d'être largement simplifiée. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que le jeu vous enseigne efficacement cette mécanique en vous filant gratuitement un œuf à faire éclore en début de partie, dont sortira un petit Togepi qui sert à rien, puis un autre, la première fois que vous mettrez le pied à la pension, dont pourra sortir au hasard un des 6 bébés Pokémon du jeu. Parlons maintenant du bonheur. Comme il n'y a jamais assez de données chiffrées et de compteurs invisibles, vos Pokémon ont maintenant une valeur de bonheur, qui démarre à 70 et peut aller jusqu'à 255. Celle-ci baisse chaque fois qu'ils tombent KO, et augmente principalement chaque fois qu'ils montent de niveau et que vous remportez avec eux un combat important, de type champion d'arène. À quoi ça sert? Eh ben, pas à grand chose. Les attaques retour et frustration ont leur puissance qui dépend de la valeur de bonheur du Pokémon qu'il utilise. Certaines personnes vous donneront un objet si vous leur montrez un Pokémon heureux, et surtout une poignée de créatures évoluent une fois qu'elles ont atteint un très haut score de bonheur. Ceci est particulièrement bien mis en avant par les deux nouvelles évolutions du Evoli qu'on vous donne gratuitement à Doublonville, qui peut devenir un Mantali s'il atteint ce haut score de bonheur en journée, ou un Noctali s'il l'atteint la nuit. Comme il n'y a pas à Johto les pierres d'évolution qui permettraient à cet Evoli de devenir autre chose, il va forcément finir par évoluer au bonheur si vous l'incluez dans votre équipe. Ça reste une mécanique obscure, sur laquelle il faut aller se renseigner soi-même si on veut y comprendre quelque chose, et les méthodes pour connaître la valeur du bonheur de vos Pokémon sont rares et approximatives. Cela dit, son existence ne dégrade en rien l'expérience de jeu non plus, donc vous pouvez parfaitement l'ignorer si elle vous prend la tête. Il en va de même pour les Shinies. A partir de cette seconde génération, tous les Pokémon possèdent une palette de couleurs alternatives, dite Shiny, que vous avez une chance infinitésimale de rencontrer à la place de leur version standard dans la nature. Chaque Pokémon que vous croisez a environ une chance sur 8200 d'être Shiny, ce qui est très très bas. En 20 ans, je n'ai croisé qu'un seul Pokémon Shiny dans Or, Argent ou Cristal, et encore c'était mon frère qui tenait la console, et c'était un Nidorina qui faisait du crossdressing. Il est tout à fait possible que vous terminiez votre partie sans en rencontrer un seul, à l'exception du Léviator rouge du lac Colère qui est là pour vous montrer que ces variantes existent. Alors évidemment, on est là face à la mécanique de jeu mobile à la con ultime, qui peut vous faire passer des heures voire des jours à farmer des rencontres ou des œufs juste dans le but de satisfaire votre envie de posséder un tas de données aux couleurs différentes. Mais d'un autre côté, l'existence des Shiny n'a jamais emmerdé personne non plus, et elle a mené à l'émergence d'une discipline entière, le Shiny Hunting. Un peu comme les speedrunners, les Shiny Hunters sont des êtres à la patience inhumaine, qui déploient des montagnes d'ingéniosité, de préparation et de temps libre dans la poursuite d'un objectif dont la valeur est entièrement symbolique. Ils sont représentés sur YouTube par des chaînes comme celle de The Supreme Arcanine, qui partage sa passion pour tous les aspects de cette discipline avec un enthousiasme qui ne peut que rendre ça fascinant. L'existence des Shiny est le genre d'idée géniale qui n'a dû demander que 2 lignes de code, un check de conditions et un décalage de palette de couleurs si le check est passé, et qui offre à elle seule une toute nouvelle dimension au jeu et à sa communauté. Ça fait 10 minutes que je parle de nouvelles mécaniques et c'est seulement maintenant qu'on en vient au système de combat. Celui-ci était déjà très riche et complet dans Rouge et Bleu, mais il a quand même connu quelques améliorations. Certaines d'entre elles sont mineures et on ne va pas s'attarder dessus. Introduction de nouvelles attaques, plein de nouvelles attaques, le fonctionnement des coups critiques qui ne sont plus calculés sur la stat de vitesse, le fonctionnement de ligotage et de certains effets de statut, un million de bugs corrigés comme celui qui faisait que puissance divisée par 2 vos chances de faire des coups critiques plutôt que de les doubler,
et Valo, et l'introduction des EV, un énième compteur invisible qui va augmenter subtilement les stats de vos Pokémon en fonction des combats qu'ils gagnent. Mais il a aussi connu quelques modifications majeures sur lesquelles on va s'attarder. Le plus gros défaut conceptuel de ce système de combat dans Bleu et Rouge était l'importance démesurée de la stat spéciale, qui servait à la fois offensivement et défensivement pour toutes les attaques non physiques, comme les attaques de type feu, eau ou électrique. Un Pokémon avec une bonne stat de spéciale, par exemple le Vénard, était à la fois un très bon attaquant et un très bon tank vis-à-vis de la moitié des attaques du jeu. La solution évidente adoptée ici, c'est de séparer cette stat de spéciale entre attaque spéciale et défense spéciale. On peut donc maintenant avoir des brutes d'attaque spéciale quand même fragiles comme Ectoplasma, et des tanks spéciaux incapables de causer des dégâts avec des attaques spéciales comme Ronflex. Ensuite, les Pokémon peuvent maintenant tenir un objet en combat et profiter de son effet passif. La variété d'objets à donner à vos Pokémon dans Crystal est un peu faible. On distingue principalement un objet associé à chaque type, qui augmente légèrement la puissance de ses attaques, la vive griffe qui peut permettre d'attaquer en premier, le bandeau plus qui peut permettre de survivre à une attaque avec un PV, les objets que certains Pokémon doivent tenir pendant qu'ils sont échangés pour pouvoir évoluer, et des baies que le Pokémon mange de lui-même quand sa vie tombe dans le jaune pour gagner 10 PV, ce qui n'a un intérêt qu'en tout début de partie. Ça reste quand même une mécanique parfaitement claire qui ne fait qu'enrichir le jeu, notamment d'un point de vue compétitif, et qui pourra être approfondie dans les générations suivantes. Enfin, la deuxième génération est célèbre pour avoir ajouté deux types aux 15 déjà présents dans Bleu et Rouge, le type Acier, le type Ténèbres, dans le but d'équilibrer un peu mieux cette table des faiblesses et résistances, et en particulier de nerfer le type Psy, qui était un peu trop le roi de la colline. Le type Acier est particulièrement excellent. Non seulement son existence coule de source, à partir du moment où on veut faire des Pokémon dont le corps est métallique, et qui doivent interagir physiquement avec les autres types, mais en plus son identité en termes de gameplay est très bien définie. Comme le type Roche, il est défensif, et comme les types Dragon et Spectre, il est rare, et donc doté de meilleures résistances que la moyenne, puisqu'il résiste à quasiment tout ce qui n'est pas super efficace contre lui. En échange, les Pokémon de type Acier, au nombre de 5 dans cette génération, sont systématiquement très lents et très faibles en défense spéciale, ce qui fait que leur vulnérabilité au feu est une faiblesse mortelle. C'est très cool. J'aimerais pouvoir en dire autant du type Ténèbres, qui d'ailleurs en japonais serait plutôt un type méchant, ce qui est déjà vachement moins concret. Sur le papier, il remplit bien son rôle d'équilibrage de la table des types, avec notamment une glorieuse invulnérabilité au type Psy, mais en pratique, son implémentation dans le jeu est abominable. Mais je vais vous faire mariner un peu jusqu'à la partie suivante avant d'expliquer pourquoi. Contentons-nous pour le moment de dire que leur inclusion ne constitue pas un nerf efficace du type Psy. Par contre, la séparation en deux de la stat spéciale, oui. Tout comme la sage décision de ne pas donner accès à la CT Psycho avant que le jeu soit fini pour que les Pokémon Psy doivent composer avec des attaques sous-optimales, comme Rafale Psy. Avec toutes ces innovations, il est très étonnant de constater que les versions Or, Argent et Cristal peuvent quand même communiquer et échanger des Pokémon avec les jeux de la génération précédente. Même si vous n'avez pas le droit d'y envoyer des attaques ou des Pokémon qui n'y existaient pas, les Shiny, les EV et la défense spéciale par exemple sont quand même des choses qui n'y existaient pas, donc c'est un petit miracle de programmation que la transcription de telles données puisse se faire dans un sens comme dans l'autre. C'était certainement une injonction éditoriale gravée dans le marbre, vu l'importance que revêt la dimension sociale de Pokémon. Tout ceci est très impressionnant, et clairement il y a eu beaucoup d'efforts et de réflexions pour faire de la seconde génération plus qu'un copier-coller de la première, et pour lui offrir de vraies évolutions mécaniques. Certaines de ces nouveautés dérivent un peu trop à mon goût dans la direction de la perte de temps décérébrée et de la rétention d'attention, mais la grande majorité d'entre elles reste hautement pertinente. Il est donc d'autant plus dommage qu'au milieu de tout ça, ces nouveaux jeux oublient complètement qu'ils sont aussi censés être de bons JRPG. Ah ! Rappelons vite fait les qualités et défauts de Pokémon en tant que JRPG qu'on avait soulevé dans la vidéo précédente. La grande force de ces jeux était la liberté d'approche qu'ils vous laissaient quant à la construction de votre équipe. Des choix fondamentaux qui allaient participer à ce que votre expérience de jeu soit unique. On avait fait la remarque que les différentes options à votre disposition, si elles étaient très déséquilibrées d'un point de vue compétitif, l'étaient bien moins quand on tenait compte de la disponibilité des Pokémon durant l'aventure, de leur rareté ou de leur utilité dans certaines situations précises. Papillusion, par exemple, ne tient pas la route 2 minutes par rapport à des Pokémon comme Ronflex ou Alakazam, mais le fait qu'on puisse l'obtenir au niveau 10 avant le premier champion lui donne une utilité temporaire que ces Pokémon objectivement plus puissants n'ont pas. L'équilibrage n'était pas parfait, insérer ici Pokémon Psy quelconque, mais il était remarquable, d'autant plus pour des premières versions. On pouvait espérer d'une suite qu'elle conserve cette qualité et la renforce. Parallèlement à ça, le principal défaut du jeu était d'être trop facile. Ça tient à la fois à des raisons structurelles,
Les game over n'effacent pas votre progression, dormir à l'auberge est gratuit, vos adversaires se concentrent presque systématiquement sur un type unique, et la possibilité que vous avez de connaître à l'avance les Pokémon que vos adversaires vont envoyer et de changer le vôtre en conséquence est de la triche pure et simple. Rien n'est fait pour vous empêcher de rouler sur le jeu avec uniquement votre starter en surlevel et d'y prendre aussi peu de plaisir que possible. C'est par ailleurs une question d'équilibrage, des niveaux de vos adversaires, de leur sélection de Pokémon, etc., qui en étant suffisamment menaçants peuvent vous forcer à exploiter les systèmes de jeu et donner du sens au team building. Là aussi, on s'attend à ce qu'une suite reconnaisse ces problèmes, et si on a déjà vu que rien n'est fait pour modifier les immenses avantages structurels qui vous sont donnés, au moins qu'un travail soit effectué sur l'équilibrage des rencontres, et particulièrement des boss. Bon, vous avez compris où je veux en venir, Pokémon Or, Argent et Cristal ne satisfont aucun de ces deux enjeux. Et on va voir pourquoi, en commençant par la liberté d'approche de la construction de votre équipe. Le premier problème, c'est que beaucoup de familles d'évolution ou d'évolution finale ne sont pas accessibles avant d'avoir fait le tour de la région de Johto, battu le conseil des 4, vu le générique de fin, et mis le pied à Kanto. Les familles de Malos, Osley, Tadmorv, Ambrilex, Ligmagma, Levenard, Topicœur, Pikachu, Melofey, Electek, Magmar ne sont disponibles qu'à Kanto, à un niveau très bas, et n'auront jamais l'occasion de contribuer à votre aventure. Bien pire, les pierres d'évolution sans lesquelles nombre de Pokémon restent coincés dans leur forme non finale ne sont disponibles qu'à Kanto, et encore en un seul exemplaire chacune. Donc même si Kaninos, Tetart, Ortid, Boostifleur, Goupix, Coquilla, Starry et Neuneuf sont techniquement présents à Johto, les inclure dans votre équipe est un piège, parce que vous allez vous les traîner en forme non évoluée jusque contre le conseil des 4. Signalons quand même que Crystal prend des mesures pour mitiger ce problème en donnant une manière détournée d'obtenir ses pierres d'évolution, mais elle ne vaut pas beaucoup mieux. Pour chacun de ces types de pierres, il faut reparler à un dresseur précis après l'avoir vaincu, ce qu'on ne fait jamais, pour obtenir son 06 et attendre ensuite potentiellement très longtemps pour qu'il nous rappelle pour nous dire qu'il a ramassé la pierre en question par terre et qu'il veut nous la filer. C'est quelque chose qui nécessite d'avoir une soluce sous la main. À cause de ces restrictions, l'accessibilité de plusieurs types pourtant standards est rendue abominable. Si vous voulez un Pokémon électrique pour contrer les 12 millions de Pokémon eau qui traînent à Johto, et si vous n'avez pas la chance d'obtenir un Pichu ou un Elekid dans le Fétrange, celui que vous pouvez rencontrer le plus tôt est techniquement le Pokémon légendaire Raikou. Y a un problème quelque part. De même, si vous ne prenez pas Hérissandre en début de jeu, vos seules options pour un type feu avant le conseil des 4 sont Kaninos, qui va passer la partie à se chercher une pierre feu sur le bon coin, et le légendaire Entei. La palme revient cependant au type ténèbre, puisque sur les 6 Pokémon de ce type introduits dans la deuxième génération, les seuls accessibles avant le conseil des 4 dans Crystal sont Noctali, auquel vous préférerez systématiquement Mantali si vous le pouvez parce qu'il est orienté attaque tandis que Noctali est orienté défense, et Farfuret qui est complètement inutile parce que les attaques ténèbres et glace utilisent sa caractère d'attaque spéciale abyssale. Ah bravo! Avec ça le type psy n'a plus que ses yeux pour pleurer. À côté de ça, certains types sont incroyablement favorisés. Le type O est non seulement représenté par 12 000 familles intéressantes à Johto, mais en plus de ça, vous obtenez dès la quatrième arène la CS Surf, qui vous laisse apprendre à l'infini la meilleure attaque O du jeu à tous les Pokémon de votre choix. Comme 3 des CS que vous devez apprendre à vos Pokémon pour pouvoir progresser dans le jeu sont de type O, en avoir un n'est même pas seulement souhaitable, c'est une nécessité. Et puis, il y a le type Normal, qui, l'air de rien, est de loin le plus favorisé. Je m'explique. Si vous voulez un monstre capable de broyer entre ses crocs l'intégralité du jeu, nul besoin d'aller chercher des Dracolos ou des Tyranocifs. Vous n'avez besoin que du Rattata trouvé sur la première route. Pourquoi donc? Après tout, même une fois évolué, Rattatak a des caractères très médiocres, et le type normal n'est super efficace contre rien. Oui, mais... Au niveau 13, Rattata apprend Croc de mort, une attaque de puissance 80, multipliée par 1,5 puisqu'il est du même type que Rattata, et qui a même une petite chance d'empêcher sa cible d'agir. C'est littéralement 2 à 3 fois plus fort que ce que peuvent mobiliser l'intégralité des autres Pokémon à votre disposition, encore bloqué avec des attaques du genre Flamèche ou Charge de puissance 40. Au niveau 20, soit pas loin du 3ème champion, Rattata évolue et acquiert des stats au-dessus de la moyenne pour ce stade du jeu. À peu près au même moment, il gagne accès à 2 attaques de type normal surpuissantes par le biais de CT que vous pouvez acquérir en quantité illimitée au centre commercial de Doublonville. Coup de boule, force 70 x 1,5 et avec pas moins de 30% de chance d'apeurer l'adversaire et de l'empêcher d'agir, et Retour. Retour est l'attaque dont on parlait tout à l'heure dont la puissance dépend du bonheur du Pokémon qu'il utilise. Puisque Rattata a eu la joie de dévaster la région en votre compagnie depuis le tout début du jeu, il devrait être sur le point de maxer son bonheur.
ce qui donne à retour une puissance de 100 à multiplier là encore par 1,5, puisque c'est de type normal. Ce qui permet à Rattatak de one-shot tout ce qui n'est pas de type roche, acier ou spectre, tandis que les autres Pokémon du jeu pédalent toujours avec leurs attaques puissance 40 ou 60. Vous allez me dire, oui, mais c'est là que son règne prend fin, parce que la quatrième arène est celle de type spectre. Et ni retour ni coup de boule ne marchent sur eux. Et vous avez tort, car d'ici là vous aurez trouvé la CT Tunnel dans le parc aux insectes qui permet à Rattatak d'être super efficace contre tous les Pokémon de cette arène. Et contre tous les Pokémon roche et acier qui résistent à retour. Enfin, une fois à Kanto, vous pourrez dépasser les frontières de l'Obscène et percer des trous dans le continuum espace-temps en lui enseignant la CT Ultra Laser, trouvée au casino de Céladopol. Dans cette génération, Ultra Laser est encore physique, et donc utilise la bonne stat d'attaque de Rattatak. Et a une puissance démentielle de 150, à multiplier là encore par 1,5, pour un grand total de 225. Mais Ultra Laser, c'est naze, on reste vulnérable pendant un tour après l'avoir utilisé. Ça, c'est vrai pour vos adversaires, mais rappelez-vous que vous pouvez changer de Pokémon après avoir pulvérisé celui d'en face d'un coup d'Ultra Laser, et en ignorer ainsi le contre-coup. Conclusion, Rattatak est broken du début à la fin de la partie, et c'est aussi le Pokémon le plus facile à se procurer du jeu. L'erreur de game design ici était de laisser un accès aussi facile et rapide à coup de boule et retour, deux attaques extrêmement fortes, dont profite énormément non seulement Rattata, mais aussi n'importe lequel des autres Pokémon de type normal à haute stat d'attaque qu'on trouve en début de jeu, comme Founette, Tauros, Snubbull, Teddy Ursa ou Piafabek. Et c'est pour ça que j'affirme que ce type est débilement favorisé par l'équilibrage de Johto. Parlons maintenant de la difficulté. Les principaux vecteurs de difficulté dans un jeu Pokémon sont les boss, c'est-à-dire les différents champions, chef de la Team Rocket et membre du Conseil des 4. Si le Conseil des 4 de Johto est plutôt intimidant, les champions ne le sont pas. Chacun d'entre eux ne possède qu'un unique Pokémon à même de constituer une menace, à des niveaux parfaitement abordables et avec des attaques pas forcément optimales. Jasmine par exemple, la 6ème championne dédiée au type acier, possède certes un Steelix au niveau et au stade défensif impressionnante, mais il n'a pas d'attaque pour exploiter son type sol, et se permet même inexplicablement d'avoir Zénith, qui ne lui sert à rien et renforce vos propres attaques feu auxquelles il est vulnérable. Et à côté de ça, Jasmine n'a que deux misérables Magnéti à un niveau où il devrait pourtant avoir déjà évolué. La seule championne à Johto qui va réellement vous donner du fil à retordre, c'est Blanche, la championne de la 3ème arène, de type normal, tiens, ça alors, avec son légendaire écrémeux. Avec ses stats loin au-dessus de celles de vos Pokémon pas encore évolués, ses attaques écrasement, roulade et attraction pour pulvériser votre équipe sans vous laisser jouer, et lait à boire pour se soigner si jamais vous arrivez à les gratigner, cet écrémeux a donné des cauchemars à une génération entière d'enfants traumatisés. Le pic de difficulté absurde qu'il constitue est souvent mentionné comme un défaut des jeux prenant place à Johto, mais il me semble plutôt que c'est le reste du jeu qui devrait se mettre au niveau de ce combat-ci, parce que c'est un des rares qui vous force à réfléchir un peu plus loin que « je vais utiliser mon Pokémon préféré en surlevel et spammer sa meilleure attaque » et à considérer toutes les options à votre disposition en termes de Pokémon, d'attaques, d'objets et de combos efficaces. Voyons ensemble quelle mécanique simple vous avez pour humilier cet écrémeux si vous vous intéressez un peu au système de jeu. La manière la plus évidente, parce que mise en avant par le jeu, est d'utiliser le Machoke que vous pouvez obtenir par échange contre un Abra au centre commercial de Doublonville. Ce Pokémon est forcément femelle, et donc immunisé aux attractions du écrémeux de Blanche. Il connaît Balayage, qui est tout ce dont vous aurez besoin, et son type combat, en plus de renforcer la puissance de cette attaque, lui permet de résister à roulade. Pour peu que vous l'entraîniez jusqu'au niveau 16, ce qui prend 2 minutes chrono puisqu'il gagne le bonus d'expérience des Pokémon échangés, vous pouvez one-shot l'intégralité des Pokémon de l'arène, arriver contre l'écremeux niveau 19, et la one-shot elle aussi d'un unique balayage après qu'elle ait pu vainement essayer d'attaquer une fois. Autre possibilité, utiliser un Fantominus, femelle évidemment pour résister à attraction. Trouver n'importe où la nuit en début de jeu et entraîner jusqu'au niveau 16 où il apprend Malédiction. Malédiction sacrifie la moitié des PV de Fantominus, mais l'autre moitié ne peut pas partir en une seule roulade, et Fantominus est immunisé à écrasement. En échange, Écremeux est désormais condamné, puisqu'il va perdre un quart de ses PV à chaque tour. Et si vous avez peur qu'elle se soigne continuellement avec les aboires, sachez que d'une part, roulade ne s'interrompt pas une fois lancée, que de deuxième part, Fantominus connaît également Hypnose pour que cet Écremeux puisse partir paisiblement dans son sommeil, et que de troisième part, les aboires n'a jamais que 10 utilisations. Troisième possibilité, utiliser un Rakaillou, femelle toujours. Trouvé lui aussi facilement à plusieurs endroits en début de jeu, Rakaillou résiste à écrasement et roulade, mais il ne va même pas en avoir besoin. En effet, vous pouvez dépasser un peu Doublonville et récupérer la CT Roulade sur la route 35 pour rendre à 1000k la monnaie de sa pièce.
Roulade commence avec une puissance de 30, qui double à chaque fois que vous l'utilisez consécutivement, jusqu'à 5 fois. À sa troisième utilisation, la puissance de roulade est donc 120, à la quatrième, 240, et à la cinquième, 480. Et en plus de ça, Racaillou est de type roche, donc cette puissance est multipliée naturellement par 1,5. Ajoutez à ça qu'utiliser préalablement boule armure ne fait pas qu'augmenter la défense de Racaillou, ça double encore une fois la puissance de roulade, qui commence donc à 60, et vous comprenez l'idée. Passez les deux ou trois premières roulades sur le mélofée de blanche de manière à ce que Écremeux se fasse atomiser par une roulade de puissance 1000 à la seconde où il sort de sa Pokéball. Mais peut-être que vous ne voulez ni prendre la peine d'aller capturer un Pokémon, ni utiliser une CT, ni entraîner qui que ce soit, comme le millénial que vous êtes. Il existe quand même une solution pour vous, mais il va falloir y mettre le prix. Au centre commercial de Doublonville, vous pouvez acheter des Attaque Plus, Défense Plus, Spécial Plus et Vitesse Plus pour la modique somme de 500 Pokéyens chacun. En gavant votre Pokémon préféré de 6 de chacun de ces objets pendant que le Mélofée de Blanche danse inoffensivement devant vous, vous pouvez quadrupler votre défense, votre vitesse et la puissance de vos attaques pour vaporiser Écremeux en un ou peut-être deux coups sans qu'elle puisse vous faire quoi que ce soit. À travers cette petite démonstration, j'espère avoir prouvé que Pokémon est à son pic d'intérêt quand vous avez de bonnes raisons de développer des stratégies, de vous plonger dans les détails qui distinguent les différentes créatures, et dans une profondeur de jeu qui, même 20 ans après, continue de me fasciner. Dans cette deuxième génération, ces moments sont cantonnés à des pics de difficulté qui se comptent sur les doigts d'une main, dont Blanche est le plus célèbre, et à côté desquels le reste du jeu est désespérément soporifique. C'est en grande partie à cause d'une courbe d'expérience qui fait n'importe quoi. Jusqu'au quatrième champion, tout va bien. Le jeu est linéaire et vous gagnez des niveaux au même rythme que vos opposants les plus forts. Mais à partir du moment où vous obtenez Surf à Rosalia, le jeu essaye de recapturer une partie de la glorieuse non-linéarité de la première génération en vous laissant accéder à Oliville, Irizia et Akajou, ainsi qu'aux champions qui y vivent, dans l'ordre que vous préférez. Et c'est là que la difficulté se casse la gueule. Le meilleur Pokémon du quatrième champion est un Ectoplasma niveau 25. Bon. Et ben durant les 10 heures de jeu qui suivent, tous les dresseurs que vous rencontrerez auront uniformément des Pokémon autour du niveau 25. Sur les routes montagneuses autour d'Akajou et du lac Colère, à la planque de la Team Rocket, sur les routes qui mènent à Oliville puis les chenaux qui permettent de rejoindre Irizia, et enfin durant toute l'attaque de Doublonville par la Team Rocket, tout ça autour du niveau 25. Les champions eux-mêmes sont touchés. Chuck a un Tartar niveau 30, Jasmine un Steelix niveau 35, ce qui est bien, mais après ça, Fredo n'a ensuite rien de mieux qu'un Cochignon niveau 31. Pourtant, il est indiqué comme 7ème champion sur la carte de dresseur, et la géographie de la région encourage fortement à commencer par la partie Oliville-Irizia, qui est un cul-de-sac, avant de partir sur Akajou. Même si vous gagnez progressivement de moins en moins d'expérience tandis que vous vous éloignez du niveau de vos adversaires, vous finissez forcément dans un surlevel absurde, bien avant d'avoir terminé cette partie ouverte de l'aventure. Mais ensuite, c'est le problème inverse qui survient, parce que le jeu se rend soudainement compte qu'il ne reste qu'une arène entre vous et le Conseil des 4, et passe directement la 5ème vitesse. Le saut de difficulté avec la 8ème championne est brutal, puisque Sandra possède un Hyporoi niveau 40, bien vénère, et les membres du Conseil des 4 possèdent des Pokémon qui vont jusqu'au niveau 50. Vous-même aurez bien du mal à rattraper cette courbe d'expérience avec la maigre poignée de dresseurs posée sur votre route entre Akajou et la Ligue. Et il est bien possible que vos Pokémon ne soient même pas niveau 40 en battant le Conseil des 4. On passe donc en quelques heures de surlevel excessif à sous-level excessif. Et ce n'est pas terminé parce qu'après ça, il y a la partie Kanto, et croyez-le ou non, mais le même problème se répète. Tous les dresseurs de Kanto ont des Pokémon autour du niveau 35, et les champions autour du niveau 45. Vous passez rapidement au-dessus de cette barre, et toute cette partie du jeu est d'une facilité déconcertante. Jusqu'aux deux derniers combats qui là encore se réveillent et gagnent en difficulté de manière exponentielle. Blue, le rival de la génération précédente, a tout à coup des Pokémon entre les niveaux 55 et 60. Et Red, le boss de fin, entre les niveaux 75 et 80. Tout ceci a une justification scénaristique. Les champions de Kanto ne peuvent pas être plus forts que ne l'était le dernier membre du Conseil des 4, tandis que Blue est à peu près au niveau qu'il avait en tant que maître de la Ligue dans le jeu précédent, et que Red est délibérément en surlevel exagéré par rapport à tout le reste du jeu, pour participer à son aura. Mais il n'empêche qu'en termes de game design, le résultat est une courbe de flow complètement ratée. Mais restons sur Kanto un petit moment, parce que l'équilibrage de sa difficulté n'est que l'apéritif de ce que j'ai à reprocher à cette partie du jeu. Chez moi, les nouveaux dresseurs doivent choisir entre un Salamèche, un Carapuce et un Bulbizarre. Bizarre. La première génération n'était pas très riche en contenu additionnel à faire après avoir vaincu le Conseil des 4 et vu le générique de fin, ce que la communauté Pokémon en est venue au fil des années à qualifier de post-game.
À part compléter son Pokédex pour répondre à l'injonction marketing de la série et à ses propres pulsions de collectionniste, le joueur n'avait qu'une seule chose nouvelle à faire, explorer la caverne d'Azuria et y trouver et capturer le légendaire Mewtwo. Notons que c'était déjà ça, bien des jeux ne se donnent pas cette peine et prennent réellement fin quand se lance le générique. Pour la deuxième génération, le nouveau directeur Junichi Masuda a décidé de faire les choses en grand, et de plaire aux fans en incluant rien de moins que la région de Kanto entière, accessible après avoir terminé le tour de Johto et vu une première fois le générique de fin en battant le Conseil des 4. Cet effort a fait mouche, et si on demande à tous ceux qui placent aujourd'hui encore la deuxième génération parmi leurs jeux préférés de la série ce qui les a tant marqués, l'inclusion de Kanto est un élément qu'on est sûr de voir revenir systématiquement. Vous l'aurez compris, je ne suis pas de cet avis. De mon point de vue, non seulement l'implémentation de cette deuxième région n'est ni faite ni à faire, mais ça a en plus des conséquences lourdes sur tout le reste du jeu. Mais peut-être faut-il déjà que je justifie pourquoi je considère le tour de Kanto comme du post-game. Après tout, nombreux sont ceux qui estiment plutôt qu'il s'agit de la deuxième moitié du jeu. Il y a autant de surfaces arpentables qu'à Johto, autant de villes à visiter, et autant de badges à y obtenir au terme d'automnes de combat contre des champions. Mais ça ne tient pas debout longtemps si on regarde d'une part la durée de cette excursion au pays des souvenirs, et d'autre part la quantité d'expérience qu'on y obtient. Il m'a fallu environ 18 heures pour vaincre le Conseil des 4, et seulement 5 heures de plus ensuite pour faire tout ce que j'avais à faire à Kanto. De même, alors que mes Pokémon étaient quasiment au niveau 40 en terminant la ligue, ils étaient à peine au-dessus du niveau 45 une fois Kanto terminé. Dans les deux cas, c'est assez étonnant puisque cette même région avait dans la génération précédente suffisamment de contenu pour durer une trentaine d'heures et amener votre équipe du niveau 5 au niveau 50. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, il s'est passé que la place mémoire sur une cartouche de Game Boy n'est pas extensible à l'infini, et que donc une très grande partie de ce qui faisait la substance de Kanto a dû être retirée. C'est le cas de tous les donjons qui participaient grandement à la durée de vie du jeu dans Bleu et Rouge. La forêt de Jade est maintenant un maigre labyrinthe forestier sans rencontre ni dresseur. Le mont Sélénite est réduit à une pauvre pièce. La centrale n'est plus qu'un bâtiment avec quelques PNJ. La grotte reliant Azuria et l'avant-ville est un enchaînement de trois couloirs linéaires, là encore sans aucun dresseur et qui se traverse donc en 2 minutes chrono. Idem pour la route Victoire, qui était le donjon de fin bien balèze avant la Ligue, mais qui n'est maintenant plus qu'une formalité. Et puis, la tour de l'avant-ville, la grotte d'Azuria, le repère de la Team Rocket sous le casino de Céladopol, le bâtiment de la Sylphsarl, le manoir de Cramoisil et les îles Écumes n'existent simplement plus. Mais attendez, c'est pas fini. Partout dans la région, des attractions ou bâtiments ne sont plus accessibles. À Argenta, le musée est fermé. À Azuria, le magasin de vélo. À Safrania, le dojo est vide. À Parmani, le motherfucking park safari est fermé. Why would you do that? Et à Cramoisil? Eh ben, Cramoisil n'existe plus. Elle a été rayée de la carte par une explosion volcanique. Paye ton économie d'espace mémoire. Quant à ce qui relie ces villes entre elles, les 28 routes que compte Kanto, si elles ont été recréées assez fidèlement en termes de topographie, elles ont aussi été sérieusement vidées de leurs dresseurs. Prenons par exemple la route 11. Dans Bleu et Rouge, qui avait une tendance assez désagréable à surcharger tous leurs environnements avec des combats contre les dresseurs, il n'y en avait pas moins de 10. Mais la méningite a fauché plus de la moitié de ses gamins et il n'en reste que 4. Et c'est pareil partout. Ce n'est pas la région de Kanto qui est incluse dans le jeu, c'est son squelette, sa surface. Et quiconque l'observe avec un œil un peu critique ne peut qu'être déçu de la vacuité de ses environnements. Vous allez me dire, t'exagères, d'accord, les développeurs ont dû faire de gros compromis, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne pas avoir Kanto du tout. Et je ne suis toujours pas d'accord. Cet espace mémoire occupé par les environnements et les dresseurs de Kanto, c'est de l'espace mémoire entre guillemets volé à Johto, qui aurait pu servir à l'étoffer et en faire une région plus riche mécaniquement. Comparé à toutes les autres régions de la série, sauf celle de l'épée et bouclier qu'on va poliment se permettre de négliger, Johto est petite. Elle a peu de routes, 18 contre 28 pour Kanto et 34 pour Hoenn dans la génération suivante, peu de donjons, et les donjons en question sont moins ambitieux dans leur design que ceux de la génération précédente. Et peu de dresseurs, ce qui se ressent dans la courbe d'expérience puisque vous arrivez devant la ligue entre les niveaux 35 et 40. C'est une région tronquée et parasitée par Kanto qui de son côté ne fait pas grand chose pour justifier son existence en dehors de sa valeur nostalgique. Et la valeur nostalgique, elle est bien là. Voir l'évolution de ces environnements 3 ans plus tard est réellement cool. En tout cas jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que toutes ces évolutions servent à justifier la disparition de contenu, comme la destruction de Cramoisil. Revoir les personnages du jeu précédent est également sympa, en particulier Blue qui s'est un peu calmé et responsabilisé avec le temps en devenant champion d'arène de Jadiel, et se montre un peu moins abrasif dans ses échanges avec vous. Un gros effort a été fait sur les musiques, puisqu'on a droit à des remakes des thèmes de la plupart des villes, ainsi que de musiques de combat différentes de celles à Johto, pour les Pokémon sauvages, pour les dresseurs et pour les champions d'arène, qui sont elles aussi d'excellents remakes de celles de Bleu et Rouge.
Pour beaucoup de joueurs, se concentrer de nostalgie suffit manifestement à excuser la pauvreté mécanique de cette section entière. Mais alors, il faut pas venir se plaindre ensuite si les jeux Pokémon qui sortent se complaisent dans les références nostalgiques et la Quantumania, au détriment de la créativité, parce que c'est là que la viabilité commerciale de cette démarche a été établie. Concrètement, ce qu'il y a à faire à Kanto, à part du tourisme, c'est affronter les 8 champions, qui ont tous une équipe de 5 Pokémon remarquablement compétitive, et faisant office de vitrine pour la variété ajoutée à chaque type dans la deuxième génération. Ce serait d'excellents challenges s'ils n'étaient pas en sous-level par rapport à vous, mais en l'occurrence, les vaincre n'est qu'une formalité. Cela vous donne accès à la dernière zone du jeu, le Mont Argenté où vous attend le True Last Boss, Red, le protagoniste des versions bleues et rouges. Et là, je vais arrêter de râler parce que tout dans ce combat est génial. Le fait qu'il ne s'exprime qu'avec des points de suspension qui traduit d'une part le fait que votre personnage était muet, et qui d'autre part fait de lui un complet badass. Le fait que son sprite soit exactement le même que dans la version rouge, jusqu'aux nuances de couleurs qui respectent les contraintes graphiques de la Game Boy non color. Le fait qu'il pose immédiatement ses balls avec un Pikachu niveau 81 qui va vous démolir à coup de Fatal Foudre. Le fait que tous ces Pokémon aient facilement 20 voire 25 niveaux de plus que les vôtres, ce qui va vous forcer, comme on le disait plus haut, à être créatif avec vos options de jeu, à équiper et utiliser des objets, à élaborer une stratégie contre chacun d'entre eux. C'est rien de moins que le combat le plus épique et mémorable de la série, ce qui est tout à fait approprié puisqu'on fait difficilement mieux en tant que True Last Boss que le protagoniste du jeu précédent. Avec tous ces projecteurs braqués sur Kanto, on en oublie facilement que le post-game de Pokémon Crystal ne se résume pas à ça. Cette version a notamment introduit dans la série un prototype de tour de combat, et avec elle le concept d'affrontement à un niveau compétitif disponible à volonté dans le jeu. Vous êtes comme eux limité à 3 Pokémon, les objets sont interdits, le niveau de vos adversaires est calqué sur le vôtre, les capacités qu'ils connaissent sont optimisées, et vous ne pouvez pas changer de Pokémon gratuitement à chaque fois que vous en mettez un KO. Contrairement aux implémentations futures de cette idée dans la série, la difficulté ici n'est pas graduelle. Au tout premier combat, je suis tombé sur un Scizaiox Super Saiyan God qui m'a pulvérisé toute mon équipe à coups de Kamehameha. En l'absence d'un scénario associé à ce mode de jeu ou de récompenses vraiment intéressantes ou au moins uniques, ça n'intéressera que ceux qui veulent pousser le système de combat jusque dans ses retranchements. Mais c'est au minimum une très bonne initiation au volet compétitif de Pokémon qui commençait à devenir plus concret avec les nouvelles options apportées par la deuxième génération. Enfin, tout comme Bleu et Rouge avait un donjon post-game dédié à Mewtwo, Crystal a deux grosses sidequests permettant de rencontrer et capturer les légendaires iconiques de cette génération, Ho-Ho et Lugia. Après avoir obtenu l'aile argent d'un vieux monsieur chelou à Kanto, Lugia peut être trouvé au Tourbill, un groupe de 4 îles reliées entre elles par des cavernes souterraines qui constituent un des rares donjons complexes du jeu, et qui demande un usage intensif des capacités siphon et cascade pour être exploré. Ho-Ho se trouve au sommet de la tour encore intacte de Rosalia, mais n'apparaîtra qu'une fois que vous aurez capturé les 3 autres légendaires de la région, les chiens errants, ce qui fera l'objet d'une discussion détaillée dans la partie suivante. Cette tour ferraille est également un donjon sympa, à base de chemins à sens unique et de téléporteurs qui vont sérieusement tester votre sens de l'orientation. Les deux Pokémon eux-mêmes sont niveau 60 et sont une plaie purulente à capturer. Non seulement vous n'avez que 3% de chance environ de les faire rentrer dans une hyperball quand leur barre de vie est dans le rouge, mais en plus de ça, elle ne va pas y rester longtemps, car Ho-Ho et Lugia connaissent tous les deux soin pour se rendre à la moitié de leur vie, et vont le spammer jusqu'à ce que soit vous décédiez de vieillesse, soit vous fassiez un coup critique en essayant de les affaiblir à nouveau. Mewtwo dans la première génération marchait de la même manière, mais vous aviez une Master Ball avec son nom écrit dessus puisqu'aucune situation dans le jeu ne justifiait davantage son usage. Là, si. Donc il faut planifier ces rencontres, sauvegarder devant eux au cas où, épuiser leurs utilisations de soins, pouvoir les endormir, avoir de quoi soigner vos propres Pokémon et prévoir la masse d'Hyperball. Même ainsi, vous pouvez facilement passer un après-midi entier à leur en balancer comme si c'était des pavés et qu'ils étaient des CRS, en priant pour que le jet de dé finisse par passer, ce qui, même au vu du statut de ces deux Pokémon dans le lore, est un peu excessif et très moyennement fun. Ça reste une sidequest optionnelle, bien que très pratique puisqu'elle vous permet d'avoir deux Pokémon parmi les plus puissants du jeu et niveau 60 à opposer à Red. Vous allez cependant devoir en passer par là si vous visez l'achievement ultime de tout jeu Pokémon, à savoir la complétion du Pokédex. Un processus qui prend une place suffisamment importante dans l'expérience de jeu pour qu'on y dédie une dernière partie. Pour pouvoir annoncer fièrement « J'ai terminé Pokémon Crystal !» et déclencher l'hystérie collective de vos collègues et amis, il faut avoir possédé au moins temporairement chacun des 251 Pokémon présents dans le code du jeu. C'est loin d'être une mince affaire, et la grande majorité des joueurs ne se donnent pas cette peine. Cependant, je pense qu'il faut quand même en parler parce que c'est une partie fondamentale du game design de la série, qui fait intervenir tout un tas de mécaniques et de systèmes qui peuvent sinon être largement ignorés.
L'objectif ici est de voir la pertinence des mécaniques en question, et éventuellement leur degré de casse-couillitude. Puisque je n'avais pas fait de partie similaire dans la vidéo précédente, commençons par les mécaniques directement héritées de Rouge et Bleu. La plus évidente, c'est la mécanique de capture. Plus de la moitié des créatures de jeu peuvent être directement rencontrées et capturées dans les hautes herbes. Il y a un aspect proto-gacha à la rencontre de Pokémon puisque certains sont rares, voire très rares, avec des taux de rencontre qui descendent jusqu'à 1%, et vont nécessiter de grinder les rencontres aléatoires pendant plusieurs dizaines de minutes jusqu'à ce que vous puissiez ne serait-ce qu'en apercevoir la queue. La capture elle-même a également quelque chose d'aléatoire. La rareté du Pokémon, les PV qui lui restent, la qualité de la Pokéball que vous utilisez et d'éventuels effets de statut comme le sommeil permettent d'augmenter vos chances de réussir la capture, donc l'aspect stratégique est là, mais ce n'est jamais garanti, et il y a toujours ce petit shot de dopamine quand la Pokéball commence à remuer et que vous retenez votre souffle en espérant que le Pokémon ne se libère pas. C'est une vraie réussite de mise en scène qui a probablement contribué plus qu'on ne le croit au succès de la série. La seconde génération introduit plein de nouveaux types de Pokéball à faire fabriquer par Sega en échange de fruits trouvés dans les arbres, mais sans même parler du fait qu'il lui faut 24 heures pour en faire une, la grande majorité de ces nouveaux types de Pokéball sont codés avec les pieds et ne fonctionnent pas comme ils sont censés fonctionner. Pour ne mentionner qu'elle, la Moon Ball est censée être très efficace sur les Pokémon capables d'évoluer avec une pierre lune, c'est-à-dire Nidorino, Nidorina, Rondoudou et Melofé, mais à cause d'une erreur de programmation, elle est à la place très efficace sur les Pokémon qui évoluent grâce à l'objet qui soigne les brûlures. C'est-à-dire personne. Échec critique. Ensuite, il y a l'évolution par montée de niveau. Beaucoup de formes évoluées ne se trouvent pas dans la nature, et il faut entraîner le Pokémon jusqu'à un certain niveau pour qu'il évolue. Pour les membres de votre équipe, ça va se faire tout seul. Mais pour tous les autres, c'est un enfer de grind interminable. L'expérience est difficile à trouver dans la deuxième génération, et la moins mauvaise chose à faire pour entraîner un Pokémon est de lui coller un multi-exp et d'aller latter en boucle le Conseil des 4, qui tourne autour de niveau 45. Imaginez les éternités qu'il faut pour entraîner un Ambrilex capturé au niveau 20 jusqu'au niveau 55 pour qu'il évolue en Tyranocif. Une vingtaine de Pokémon évoluent plutôt grâce à une pierre d'évolution, et si ça dispense d'avoir à les entraîner, ça pose d'autres problèmes fondamentaux. Le premier, c'est que comme on l'a dit plus tôt, ces pierres sont turbo-relous à obtenir, a fortiori en plusieurs exemplaires. Le deuxième, c'est que si vous n'avez pas un guide sous la main, le seul moyen de savoir qu'un Pokémon évolue grâce à une certaine pierre, c'est d'essayer de l'utiliser sur lui. Il n'y a rien dans le jeu qui vous indique ce dont un Pokémon a besoin pour évoluer. Même problème pour ceux qui évoluent seulement quand ils sont échangés, en particulier quand il faut qu'ils tiennent en plus un certain objet. C'est paye ta solution ou crève. Mais pouvoir faire des échanges avec d'autres versions n'est pas nécessaire seulement pour ces évolutions. Chaque version a des Pokémon qui en sont absents, et qu'il faut échanger depuis une autre version. Crystal, par exemple, n'a pas la famille de Watt-Watt, qui aurait pourtant été bienvenue pour combler ce vide en forme de type électrique dans l'équilibrage du jeu, et il faut l'échanger depuis une version or ou argent. En fait, c'est même plus bâtard que ça, parce qu'il manque aussi dans la version Crystal la famille de Goopix, qui est exclusif à argent, et la famille de Ferro-Singe, qui est exclusif à or. Et puis, aucun jeu de deuxième génération n'a les starters de Kanto ou les oiseaux légendaires, qu'il faut donc échanger depuis bleu ou rouge, et c'est comme ça que le pauvre gamin qui veut juste remplir son Pokédex se retrouve à devoir acheter 3 ou 4 jeux supplémentaires en plus du câble Link s'il n'a pas un solide réseau d'amis aussi passionné que lui. Le youtubeur Gyros11 a fait pour les premières générations des vidéos détaillant les conditions minimum en termes de jeu et de matériel pour remplir le Pokédex. Je vous encourage à aller les voir parce qu'elles sont très intéressantes, mais voici la conclusion. En plus de votre version Crystal, vous avez besoin au minimum d'une version or ou argent et d'une version jaune. Et encore, vous allez devoir recommencer la version or argent et la version jaune une fois chacune. Soyons clairs, c'est débile et insupportable. C'est précisément cette aberration qui éloigne la quasi-intégralité des joueurs de l'objectif de complétion du Pokédex. Et c'est aussi extrêmement discutable éthiquement de vendre un jeu autour de l'objectif d'attraper tous les Pokémon si ça doit passer par l'achat de plusieurs autres jeux et matériels. L'idée d'avoir plusieurs versions par génération n'est pas un problème en soi tant que les différences restent les sprites affichés, la rareté de tel ou tel Pokémon ou des divergences de scénario. Mais quand il s'agit d'empêcher le joueur de terminer le jeu à 100% tant qu'il n'a pas accès à toutes les versions, c'est rien de moins que de l'escroquerie. Et je suis étonné que depuis le temps, les associations de consommateurs ne soient pas tombées sur le dos de Nintendo. Continuons néanmoins. Il y a au cours du jeu plusieurs rencontres statiques uniques. Ho-Oh et Lugia dont on a déjà parlé, mais aussi le Loclass du vendredi aux caves jumelles, un Simularbre et un Ronflex qui vous bloquent la route, Suicune dans le cadre du scénario et Celebi si vous jouez sur 3DS. Si vous mettez KO ces Pokémon, ils disparaissent définitivement de votre partie, et le seul moyen de les ajouter à votre Pokédex devient alors de les échanger avec une version où vous ne les avez pas ratés. Donc mieux vaut sauvegarder devant et venir préparer. Pour beaucoup de Pokémon haut, vous aurez besoin de les pêcher, ce qui nécessite d'avoir un des 3 niveaux de canne à pêche obtenus auprès de PNJ pêcheurs, mais marche sinon comme des rencontres dans les hautes herbes. Et puis, certains Pokémon peuvent être échangés contre des jetons au casino,
jetons qui peuvent être obtenus péniblement en accumulant les 777 aux machines à sous, ou simplement au comptoir en faisant péter la moula. Le seul qui ne s'obtienne que de cette manière est Porygon, tous les autres peuvent également être croisés dans la nature. Voyons maintenant ce qui a été ajouté dans la deuxième génération. Les systèmes de bonheur et de reproduction interagissent avec la quête du 100%. Plusieurs Pokémon évoluent en atteignant un score élevé de bonheur, et certains Pokémon de première génération ont maintenant une forme bébé, qui ne se trouve pas dans la nature, qui n'ont aucun intérêt stratégique, et qui sont seulement là pour vous faire vous intéresser à la reproduction si vous voulez compléter le Pokédex. Ensuite, il y a quelques mécaniques plus obscures qui permettent chacune de capturer une poignée de Pokémon. L'attaque coup de boule peut être utilisée hors des combats pour secouer les arbres, et essayer d'en faire tomber des Pokémon. Chaque arbre du jeu est réparti au lancement de la partie entre trois catégories. Les arbres tout nasses qui donnent des Pokémon communs et encore rarement, les arbres intéressants qui donnent surtout des Pokémon communs mais souvent, et les arbres très intéressants qui donnent surtout des Pokémon rares. C'est seulement de ces derniers qu'on a une chance de faire tomber un Scarino. Donc pour compléter le Pokédex, vous allez devoir donner des coups de boule dans 12 millions d'arbres jusqu'à en identifier un de la dernière catégorie. Ou alors vous pouvez utiliser ce fort outil en ligne qui vous dit quels arbres peuvent lâcher quoi à partir de votre numéro de dresseur, merci la technologie! Nous avons également le concours de capture d'insectes, un événement accessible uniquement une fois chaque mardi et samedi. Ça se déroule dans le parc naturel près de Doublonville et pendant la durée du concours, la sélection de Pokémon qu'on peut y trouver est notamment enrichie d'insécateurs et de scarabrutes. Et c'est le seul endroit du jeu où il est possible de les capturer. Vous avez 20 minutes et 20 Pokéballs maximum pour capturer l'insecte le plus rad possible, ce qui veut dire que vous n'êtes même pas sûr de rencontrer un de ces deux Pokémon dans le temps imparti ni d'arriver à le capturer avec le matériel à votre disposition. Mais attendez, il y a mieux! Ce concours, il va falloir le gagner! Deux fois même! Parce que c'est le seul moyen d'obtenir des pierres soleil, et que vous en avez besoin pour faire évoluer Tournegrin en Eliatron et Ortide en Joliflore. Alors comment qu'on gagne? Une fois la phase de capture terminée, le jury attribue des points à l'insecte que vous avez capturé, et à ceux des IA qui participaient contre vous. Mais il n'est jamais explicité d'où viennent ces points. Est-ce que c'est le niveau du Pokémon? Est-ce que c'est sa rareté? Est-ce que c'est ses stats? Il y a la masse de désinformation à ce sujet, même sur les wikis officiels, mais ce score est en réalité uniquement calculé à partir des stats du Pokémon. Et c'est pourquoi le vainqueur est généralement celui qui a capturé un insécateur ou un scarabot. Mais il y a un twist, qui est que dans le décompte des stats sont considérés à la fois les PV max du Pokémon, mais aussi les PV qui lui restent au moment où vous le capturez. Votre meilleure chance pour gagner le concours est donc non seulement d'arriver à choper un Pokémon rare en 20 minutes et 20 Pokéball, mais en plus de le faire sans l'affaiblir. Parce que les IA sont des terminators de la capture d'insectes. En particulier, si ce nerd aux cheveux bleus participe, il capturera automatiquement un insécateur qui vaut 358 points, et le seul moyen de battre ça est de capturer vous-même un insécateur niveau 14 sans l'affaiblir, pour vous placer entre ça et le maximum théorique qui est 386. Permettez-moi donc de show off un instant mon insécateur à 378 points. C'est de toute beauté! Mentionnons également au passage la mécanique dessin. Certains Pokémon comme les Insolourdos par exemple ne sont disponibles que temporairement quand un essaim passe sur la route où on peut les trouver. Mais pour déclencher la venue de cet essaim, il ne suffit pas d'attendre et de venir voir de temps en temps. Il faut prendre le numéro de téléphone d'un dresseur random, en l'occurrence pour les Insolourdos qui apparaissent là, il faut prendre le 06 d'un montagnard qui crèche ici, et attendre que celui-ci nous appelle pour nous dire qu'il a vu le Pokémon en question sur la route en question. Ce qui, comme pour les pierres d'évolution, peut prendre entre 0 et plus l'infini secondes. Après ça, vous aurez le reste de la journée pour aller rencontrer le Pokémon en question et le capturer normalement. J'ai gardé le meilleur pour la fin, avec les chiens errants légendaires, Raikou et Entei. Suicune était également concerné dans Or et Argent, mais dans Crystal, c'est une rencontre statique, Dieu merci. L'un de ces deux clébards va avoir droit direct à votre Master Ball, mais l'autre va être le cancer de votre existence. Comment ça marche? À partir du moment où vous les libérez de la tour cendrée dans le cadre du scénario, Entei et Raikou vont se balader sur la carte de Johto. Chaque fois que vous changez de zone, ou entrez ou sortez d'un bâtiment, ils se déplacent d'une route. Si vous vous trouvez sur la même route qu'eux, vous avez une chance raisonnable de les rencontrer dans les hautes herbes, à la place d'une rencontre ordinaire. Problème numéro 1. Tant que vous n'avez encore jamais rencontré Entei ou Raikou, vous n'avez aucun moyen de savoir sur quelle route ils se trouvent. Vous pouvez avoir la chance de tomber sur l'un des deux parfaitement par hasard, mais ça n'a rien de garanti. Les chances que vous vous trouviez en même temps qu'eux sur la même route sont quand même faibles. À partir du moment où vous les avez croisés une fois, leur entrée est créée dans le Pokédex et vous pouvez les traquer avec la fonction zone, ce qui aide un peu. Problème numéro 2. Quand bien même vous arrivez à rencontrer Entei ou Raikou, ils fuient automatiquement le combat au premier tour. Votre excitation aura été de courte durée. Il y a deux moyens d'empêcher ça. Le premier est d'utiliser une attaque qui empêche l'adversaire de fuir, comme Regard Noir, mais alors le Klebs a quand même une chance sur 4 de lancer Hurlement à chaque tour,
qui lui fait quand même fuir le combat. L'autre est d'endormir cet ersatz de Bip Bip pour qu'il ne puisse pas lancer hurlement, mais il a quand même une chance de le faire à chaque fois qu'il se réveille. Donc il va finir par fuir, et c'est trop chiant. Problème numéro 3, évidemment leur taux de capture est astronomiquement bas, et vous devez lancer une bonne cinquantaine d'hyperboles à un Entei au bord de la mort pour qu'il veuille bien y rester. Tout ça se cumule pour constituer de loin la capture la plus compliquée du jeu, voire peut-être de la série entière, qui fait passer Ho-Ho et Lugia pour des chenipans paralysés, et qui peut vous prendre des heures, voire des jours si vous manquez de chance. Ou alors vous exploitez le bug qui permet de cloner un Pokémon et l'objet qu'il porte pour avoir deux Master Balls, moi je dis ça, je dis rien. Bon, alors bilan. Les mécaniques de capture ajoutées dans cette deuxième génération diversifient encore les systèmes auxquels vous devez vous intéresser pour compléter le Pokédex. C'est une entreprise assez titanesque qui va vous demander de vraiment connaître et comprendre le jeu jusque dans ses détails poussés. Et c'est effectivement le rôle d'une quête du 100% efficace que de mettre en valeur tous les éléments qui sont superflus pour simplement voir le générique de fin. Cela étant dit, sans même reparler des questions d'échange avec d'autres versions, vous aurez remarqué que toutes les nouvelles mécaniques pour obtenir des Pokémon ont comme point commun d'être des putains de pertes de temps. Faire éclore des œufs, chercher Entei sans savoir où il se trouve, trouver le seul arbre sur 50 qui contient des Scarino, tenter sa chance au concours d'insectes deux fois par semaine, attendre l'appel de Montagnard Trouduc, c'est des activités parfaitement chiantes, qui ne valent que pour leur finalité. Même si personnellement je trouve l'attrait de la collectionnite et du Pokédex rempli très puissant, ça peut très bien être mon syndrome de Stockholm qui parle, et je ne peux pas vous recommander d'investir votre temps là-dedans sur la base de tels biais cognitifs, quand il y a plein de trucs plus passionnants à faire, comme mesurer la vitesse de pousse du gazon, classer le contenu de votre frigo par ordre alphabétique, ou aller faire un tour en voiture sur le périph' à 18h. Par ailleurs, bon nombre de ces mécaniques sont parfaitement obscures et vont nécessiter la consultation constante d'un guide, c'est-à-dire en 2021 Bulbapédia ouvert sur votre téléphone, et en l'an 2000 l'achat d'une Solus. Remplir mon Pokédex quand j'étais gosse n'aurait jamais été possible sans ce numéro très complet de 100% Solus qui non seulement expliquait en détail comment trouver chaque Pokémon, mais en plus décortiquait très rigoureusement des mécaniques complexes comme la reproduction. Mais quand on doit en arriver là, il faut reconnaître que le game design rate un de ses objectifs fondamentaux, qui est de communiquer au joueur ce qu'il a besoin de savoir. Ne vous laissez pas avoir par les slogans marketing et l'attrait des checklists à compléter, Pokémon est déjà bien assez riche, long et passionnant quand on s'arrête à son générique de fin. Mine de rien, évaluer la seconde génération, c'est compliqué. D'un côté, Pokémon Crystal parvient non seulement à garder et même dépasser l'ambition démesurée de Rouge et Bleu, qui poussait déjà la Game Boy jusque dans ses retranchements, à approfondir l'esthétique avec des sprites et des musiques plus élaborées, à poser les bases d'un lore pour l'univers de la série, à suffisamment enrichir le système de combat pour rendre crédible l'idée d'une scène compétitive, et à réaliser des prouesses techniques comme les sprites animés ou l'inclusion d'une horloge interne qui personnellement me sidère. Mais d'un autre côté, c'est aussi la génération qui fait plusieurs pas en arrière par rapport à Rouge et Bleu sur des domaines que je trouve importants. L'équilibrage du jeu et sa courbe de difficulté, loin d'être consolidés pour régler les quelques défauts que la première génération présentait dans ce domaine, ont été sacrifiés au profit de la nostalgie bête et méchante. Et mécaniquement, presque tout ce qui est ajouté tend dangereusement vers le proto-jeu mobile, de la rétention d'attention avant que le concept soit inventé, où tout est aléatoire, tout doit être grindé, tout vous fait perdre votre temps. Les remakes sur DS ne font que partiellement mieux, car même s'ils enrichissent Kanto, repositionnent certains Pokémon, facilitent l'accès aux pierres d'évolution, retravaillent un peu la courbe d'expérience et ajoutent beaucoup de contenu, certains problèmes sont simplement trop systémiques pour être réglés. Johto est toujours une sous-région, Kanto est toujours un plateau d'expérience sans aucun challenge, les Pokémon ténèbres sont toujours absents, les chiens légendaires sont toujours aussi casse-couilles capturés, et ainsi de suite. Est-ce que ce résultat est étonnant de la part de la seconde génération ? Oui et non. C'est un projet commercial, rushé en 2 ans de développement, là où Rouge et Bleu en avait demandé 6, dont on ne pouvait raisonnablement pas attendre la même créativité que de la première génération. Et pourtant, malgré les contraintes, Pokémon Or, Argent et Cristal vont justement plus loin que ce qu'on pouvait attendre d'eux, et posent des standards d'ambition que la suite de la série ne pourra pas tenir. À la sortie de Ruby et Saphir, tout le monde attendait comme une évidence l'inclusion du cycle jour-nuit, des régions et Pokémon des générations précédentes, des sprites animés, et l'invention de nouveaux types. Mais une telle boulimie de progrès n'aura été possible qu'une fois. La seconde génération reste la phase la plus expérimentale de la série Pokémon, et même ses erreurs sont le résultat d'idées ambitieuses. Les générations suivantes seront souvent plus réussies, mais aussi plus formulaïques, et Crystal reste non seulement un très bon jeu, mais également un artefact historique fondamental pour la série Pokémon. Merci d'avoir regardé ce très long, mais je l'espère très complet, épisode de Esquive la boule de feu. Et si vous êtes un grand fan de Crystal, désolé d'avoir ainsi brisé votre enfance en 1000 morceaux. N'hésitez pas à pointer mes erreurs et approximations dans les commentaires,
ou à vous vanter d'avoir capturé du premier coup dans une Pokéball un Entei que vous avez croisé par hasard. Comme Zelda ou Fire Emblem, Pokémon est une série sur laquelle je compte revenir pour traiter les générations suivantes. Mais ça prendra peut-être un moment pour que l'inspiration me vienne. D'ici là, portez-vous bien. Si vous parvenez à trouver un Pokémon feu à Johto, n'oubliez pas d'esquiver ses boules de feu. Et on se retrouve la prochaine fois pour toujours plus de plans en 5 parties et d'apologie de l'émulation.